Yo la famille, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur FIFA 20. Alors aujourd'hui les gars, on va aller faire une petite partie en 16 ans. Du coup, comme vous avez vu les gars, à gauche je suis divisé en 3, je suis à 9 points si je me trompe pas. Il me reste 4 matchs et pour que je monte en division 2, du coup faut que je fais 3 victoires. Du coup j'ai droit à une erreur mais pas deux. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher plein de pouces bleus. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les vidéos que je fais. Les gars, go les 150 abonnés. Et les gars aussi, pour le concours, ben normalement je pense que là je tourne la vidéo, on est mercredi, normalement je vais la sortir le soir. Du coup normalement je ferai le live vendredi pour faire gagner le compte, que le compte a 60 skins je crois. Ouais, 60, 62, 62 skins et ça va le monter. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup les gars, c'est parti les gars. Ici Londres, le Tottenham Hotspur Stadium, et oui c'est dans ce stade somptueux qu'on a rendez-vous aujourd'hui. Dites-moi les gars si j'ai un bon niveau sur FIFA. Nous allons suivre cette rencontre pour vous. Les Tottenham gars, contre le Paris Saint-Germain. Et oui Hervé, je crois qu'on va peut-être enfin avoir droit à 90 minutes partie de foot contre comme on l'aime. Rapide, technique, offensif, membre de la chaîne YouTube de Family 13. Je fais une partie contre lui. On va s'intéresser à la composition de l'équipe locale. Dans les buts, on va retrouver Hugo Lloris, bien sûr. Yann Vertonghen en défense aux côtés de Alderweireld. Tanguy Ndombele sera associé à Dele Alli au milieu de terrain. Pour finir, le duo d'attaquants que voici. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Pour garder le but, Keylor Navas, Marquinhos en défense. À ses côtés, il y aura Thiago Silva. Idrissa Gueye sera avec Marco Verratti au milieu de terrain. Un seul attaquant aujourd'hui, ce sera Mauro Icardi. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie. Zéro pour lui, les gars. Il commence très bien. J'ai fait de la merde, on peut dire que j'ai fait de la merde. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti? C'est le geste parfait. Ouais, bah aussi, n'hésitez pas à me dire si je fais un live comme un bœuf pour marquer des buts et que la finesse a du bon fond. Pour ce week-end, les Spurs, si vous voulez que je fais un qui live. Pour l'instant sont devant. Harry Kane, Dele Alli. Ah, la passe en profondeur, attention. Ouais, la bonne parade, attention, il a passé pas toute ma ligne défensive en une passe. Et ce sera un corner pour Tottenham. Mais on sait qu'il va s'entrer. Un poteau comme d'habitude. Oh, c'est contré ce tir. Allez, au corner. Allez, les gars, allez. Il joue en deux temps, le corner. Il faut trouver une option disponible. Oh, la bonne occasion. C'est bête, pour ça, c'est bête. Attention, Navas, il a relâché le ballon. Laisse passer. Merci. C'est qui, lui? Ah, finalement ils perdent ce ballon. Les spectateurs qui sentent que c'est le moment d'encourager leur équipe. Giovanni Lo Celso. Ouais, elle gagne son duel. Harry Kane. La passe est coupée et bien défendue. Lucas. Agminson. Lucas. Excellente intervention défensive. Mais non, mais non, mais non, mais non. Pour intercepter ce ballon. C'est de la merde. Peut-être une bonne opportunité, attention. Mais. Wow. Allez, il est passé, ça va être dangereux. Attention, le centre à terre. Et le but des Spurs. Putain de merde. 0 pour lui. But de Edmundson. Ça va être tout de remonter. On le revoit sur ces images. Le gardien n'a pas grand chose à se reprocher sur ce but. L'action est bien amenée et à cette distance, il aurait fallu un miracle pour qu'il arrête le ballon. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance.
les Parisiens. C'est bien donné dans l'espace. Très bon jaillissement là du gardien. Un ballon qu'il est allé chercher dans les pieds. Pourquoi je vais faire le pro alors que je suis un amateur de mes couilles hein. Putain. Mais voilà, je vais la perdre. Il perd ce ballon. Mais il est nul, je suis sans joueur. Voilà, merci. Ouais, le ballon qui est perdu. Laisse passer le ballon comme d'hab. On a bien joué ce tacle, ça va donner une touche. Thomas Meunier. Putain, il est bon, gros. Il sait défendre. Neymar. Wesh, Neymar, hein. Pourquoi il se retourne? J'ai pas compris ça. Il y a pas mal de monde pour le presser. Le ballon qui est la majeure partie du temps. Ouais, la profondeur bien trouvée là par Harry Kane. Le ballon dégagé au large. Dommage. Tanguy Ndombele. Lucas. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Avance. Ouais, on passe par les côtés. Merci. Gay. Verratti. En haut, Icardi. Loris qui n'a pas capté. C'est le problème du PSG. Attention, le bon pressing. Ils n'ont pas une bonne attaque. Cavani, c'est. Un ballon qui est donné en profondeur. Durer un vieux quand il court. Hors jeu. Ah, dommage. Il partait au but. Il n'a pas le droit devant la cage. Sur l'aile avec Di Maria. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Tanguy Ndombele. Dele Alli. Harry Kane. Dele Alli. Oui, avantage en faveur des Spurs, bien arbitré. Faute sanctionnée, reviens, c'est un coup franc. Dele Alli. Non, mais faut aller sur le fond, sur le fond. Merci. Ce sera une touche hein, pour Tottenham. À la mi-temps, les gars, on va faire un petit changement. Voilà, je pense que j'ai trouvé la bonne tactique. Parce qu'on attaque quand il y a Mauro Icardi. Ouais, bien vu Icardi, bien donné. Angel Di Maria. Allez, le but de l'espoir peut-être. Oh oui, très beau. Wesh. Magnifique parade du gardien. Qu'est-ce qu'il a raté? J'appuie rond. Qu'est-ce qu'il a raté, Mbappé? Mbappé, c'est pas Mbappé, ça c'est Mbappé des pieds. Ouais. Steven Bergwijn. Tanguy Ndombele. Merci. Oh, c'est bon. Harry Kane. Il y a trop d'espace entre l'entrée de l'île. Il y a trop d'écart. Mais... La passe lobée par-dessus pour voilà. Harry Kane. Ouais, le ballon au fond. Magnifique. Je vais faire quoi, frère, avec aucune une chance au gardien à bout portant. Quelle action, Pierre. Surtout quelle finition, hein. Oui, c'est vrai. Tout est parfait. Le centre, la reprise de volée. Timing exceptionnel. 3-0. Toujours pas de réaction en face. Neymar. Oh, la classe. Elle est à pur. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Merci, Neymar. Et le but. Eh oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Non, c'est bon. Il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Neymar. Oh, s'il marque, il relance le match. Bah, il a poussé, attention, c'est pas terminé. Oh, bien joué. Oh là là, bien joué de sa part. Marquinhos, merci. Reste entre deux. On va faire un truc. Ce ballon en profondeur. Oh là, but. Et voilà, beaucoup d'autorité. Heureusement, il a mis une frappe, on dirait. C'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Malgré le fait de ne pas prendre de risque. En retrait, non. L'axe est dangereux. Oui. Elle est contrée, cette frappe. Ouais, c'est. Allez. Le PSG qui obtient un coup franc après cette faute. Allez, siffle. Siffle, s'il te plaît. Ballon perdu, on a par Neymar. Merci. Allez, c'est la mi-temps. On est grand, on va faire un petit changement. On va mettre Mbappé dans.
Moi je viens de trouver mes notes. 3-1. Bim. Voilà. Bon. Toujours mieux l'offensive. Hein. Comme ça, Rabia. Allez, voilà, Rabia. Voilà la guerre. On va aller les péter, j'espère. Les gars, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur GTA 5 ou FIFA ou Fortnite, dites-moi en commentaire, les gars. Reprise du match. Le Paris Saint-Germain qui donne le coup d'envoi de la seconde période. J'espère que le coaching sera gagné. Wow. Perd ce ballon. Bim. Arbitre, merci. Sors le jaune, sors le jaune. Peut-être mériter un rouge. Jeune, sort. Oh, le rouge. Parfait. Neymar. André Di Maria. Qu'est-ce qu'il fait? Une sortie de but. Ah, il est vraiment fou, ce Di Maria. Il est vraiment fou, ce Di Maria. Di Maria. Di Maria. Bon, allez. Bien, on va faire la passe de l'autre côté. Ayrton Gunn. Voilà. Steven Derwig. C'est que courir, c'est que courir. C'est un grand show. Lucas. Grand show, ouais. Bien donné encore une fois. Maintenant. Harry Kane. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Tafle, tafle. Waouh, Token Dombili, tu m'as fait. Quel ami. Oh, il est dribble. La honte. Ah. Bon, c'est bon, tu vas où, tu vas où. Kylian Mbappé. Waouh, quel mauvais choix. Mais quel mauvais choix. Dele Alli. J'ai vraiment perdu mon niveau, les gars. Agminson. Lucas. Maintenant. Le bon ballon. Attention Navas, il a relâché le ballon. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. C'est incroyable, il a bien tenu la baraque sur ce coup-là. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Je sens une petite tactique. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant, bien récupéré, bien joué. Et oui, Di Maria. Di Maria, le ballon dans l'axe, attention. Comme par hasard, hein, bien sûr. Et 30 minutes à jouer, c'est hein, le temps réglementaire. La passe est interceptée. Il va le faire tout le temps, ça, ou quoi? Lucas, Heung-Minson, en rejoint. C'est venu en profondeur. Oui. Ah, dommage, c'est. Allez, je vais faire un petit tactique. Tactique. Ah, restriction. Mbappé va déborder. Il va passer devant toute la défense. Agression. Agression. Passe devant le Z. Allez. Coaching gagnant, normalement c'est coaching gagnant, ça va aller. Allez là. C'est Tottenham, mais... C'est une belle opportunité, mais le drapeau s'est levé. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon. Hein, qu'est-ce qu'il a, Mbappé, il vient faire... Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Bien, Randolph. Pablo Sarabia. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Merci. Aïe, 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 aïe. Voilà, perdre. Il ne passe pas le ballon, il le perd. Kylian Mbappé. Avant Mbappé, avant. Premier. Ouais. Le PSG a rien du tout sorti. Thomas Meunier.
Pablo Sarabia. Pour Kylian Mbappé. Qui redonne à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Oh le rythme. Merci Kylian. Ils ont raison. Plus qu'un petit but pour égaliser. À fond les gars. Un petit but qui les sépare désormais. Le score est 2-3-2. À fond les gars, à fond. Et le score leur est favorable. L'adversaire n'attaque pas beaucoup. Alors le ballon tourne. Non, jamais de la vie. J'ai remarqué, c'est les arbitres avec moi, on dirait c'est un problème, je sais pas. Je leur ai fait un truc. Essaye de trouver la faille. Bim. Kane. Allez, il faut centrer. Allez, faut aller sur lui, mais. Yann Vertonghen. Il fait tourner le ballon dans le joli petit numéro de Tiki Taka. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Ah ouais, c'est bien fait ça. Non, très mal mis, c'est pas très bien négocié. Pas bien négocié ce ballon. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Oui, merci monsieur. Attention, merci, à ce coup franc qui sera bien placé. Neymar dans une position idéale pour marquer. Évidemment sur coup franc, on le sait, c'est. Oh là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Ça passe à côté les gars. Quel dommage. Premier. Oui. Pablo Sarabia. Kylian Mbappé. Oui. Hugo Lloris. Waouh. On va les gagner ce match. Cette fin de match qui s'emballe. Reste plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Peut-être le ballon le plus important de ce vidéo, match. C'est mon frère qui est. Il y a parce qu'il trouve un joueur qui est adverse. Laisse-la passer. Mais pourquoi je la laisse passer? C'est Di Maria, frère. C'est pas courir, c'est grandes oreilles. Tanguy Ndombele. Ouais, il fallait qu'il y aille, Harry Kane, il a raison. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Ouais, dommage, ça ne s'est pas développé suffisamment rapidement cette contre-attaque. Le ballon qui revient dans l'axe. Il récupère le ballon dans sa surface. Attention, c'est dangereux ça. Ouais, avantage en faveur des Spurs. Bien non, arbitré. Mais joue. C'est un genre de mec qui a tourné le ballon, lui, ça se voit. Allez, bim, fait tourner le ballon. Le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Wow, le physique, mes joueurs ils ont pas de physique, je crois. Ali. On leur fait à manger, je pense. Ryan Sessegnon. Tanguy Ndombele. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Heung-Min Lucas. En profondeur, oui, bien vu. Heung-Min Son. En jeu. Et voilà, allez. Ouais, c'était pas du tout mérité. Vers le but adverse sans que la défense puisse réagir, tellement c'était bien joué. Ah, c'est aller vite, surtout. Ouais, puis t'aimes bien aller vite, toi. Un nouveau but encaissé pour lui, il n'est pas dans son match, le gardien. Quelle merde. Non, ça, on pourrait dire que ce soit son jour. Hein. Prise de balle médiocre, les interventions pareilles. Rassure personne. Il met à présent 4 buts à 2. On a vraiment droit à du spectacle. On va baiser maman. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Belle victoire en lui. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. Allez, petite combinaison sur ce corner. Attention, le centre tendu. Et voilà, c'est fini. Bien joué, lui, les gars. Minique ta mère, voilà. Voilà, les gars, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher plein de pouces bleus. Peace.